Ces fidèles massés derrière des barrières ont patienté des heures sous la pluie pour assister aux obsèques du père Hamel, assassiné par deux djihadistes il y a une semaine. Des obsèques placées sous très haute surveillance, de nombreux CRS ont été déployés autour de la cathédrale de Rouen. Après avoir été fouillées, 2000 personnes, parmi lesquelles quelques orthodoxes et musulmans, ont pu pénétrer dans l'église. D'autres suivront la cérémonie dehors sur un écran géant. Commence alors une longue procession de prêtres en aube blanche dont l'étole violette symbolise le deuil. Le cercueil du père Hamel est déposé à même le sol, en signe de simplicité, devant Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui célèbre la messe. L'un des prêtres prend alors la parole pour rendre hommage à son confrère. Oui, c'était un homme profondément bon, souriant, humble et discret, attaché à sa famille, proche des gens. Devant une assemblée recueillie qui compte le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et l'ancien ministre Laurent Fabius, l'archevêque de Rouen reprend l'évangile de Matthieu du discours sur la montagne. Nous recevons ainsi la parole de Jésus, qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd'hui. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Jacques Hamel a été tué à l'arme blanche le 26 juillet dernier dans sa paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray par deux hommes se réclamant du groupe État islamique. Tous deux ont été abattus par la police. Le prêtre, qui était âgé de 85 ans, sera enterré dans la plus stricte intimité, dans un lieu tenu secret.